Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo Outfit of the Week. Donc si vous ne connaissez pas le principe de ces vidéos, c'est très simple, pendant une semaine je vous montre mes tenues que je porte tous les jours. Le but de ces vidéos c'est pas de vous montrer des tenues hyper originales etc. C'est plus de vous montrer comment je m'habille au quotidien, vous donner des idées de tenues à mettre au quotidien pour aller au lycée, à la fac, au collège, au bureau etc. Il y aura des tenues plus originales que d'autres, il y aura des tenues un peu de flemme. D'autres tenues qui seront un peu plus habillées, un peu plus accessoirisées. Donc du coup là on est lundi midi, j'avais cours de 10h à midi. J'ai choisi une tenue que j'aime bien mais qui reste assez simple, assez confortable et à petit prix. Donc pour la veste du coup elle vient de chez Shein. Ça fait des années que je l'ai, je crois qu'elle coûte genre 30€, un truc comme ça, même pas. Donc c'est entre 25 et 30€. Aussi du coup je m'excuse pour le bordel qu'il y a derrière sur mon bureau. C'est vraiment l'endroit où il y a toujours du bazar dans mon appart. En dessous, j'ai mis un petit pull comme ça, assez fin, de chez Pinky. C'est une ancienne collection, du coup, vous ne pourrez pas le retrouver. Mais c'est le genre de petit haut que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Je vous en mettrai des similaires en barre d'infos si j'en trouve. Et voilà, j'aime bien mettre un petit peu de couleur de temps en temps. Pour les colliers, ils viennent de chez Primark. C'est un lot que j'ai eu. Et du coup n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Primark, mon haul Primark s'il est déjà sorti. Ensuite pour le pantalon il vient de chez Bershka, il devient un petit peu grand, vous voyez il y a des endroits où il est ici, la ceinture elle arrive jusque là, du coup c'est pas terrible. Mais voilà je l'aime bien quand même, il est très taille haute, il est super confortable, noir tout simple. Et il m'avait coûté 20€, il existe en plusieurs couleurs si ça vous intéresse. Et pour les chaussures ce sont des Adidas Continental je crois. Je les ai mises parce que je voulais pas mettre de bottines. Et c'était les seules baskets où il y avait une petite touche de rouge. Du coup je trouvais que ça allait bien. Et elles sont très confortables si vous vous posez la question. Et puis pour finir j'ai mis ma montre Clouse. Hello, donc là on est jeudi soir. Hier et avant-hier j'ai pas pu vous montrer ma tenue. Puisque tout simplement j'ai un petit peu oublié quoi. Donc voilà du coup je vous en montrerai des tenues, deux tenues de la semaine prochaine. Du coup la tenue d'aujourd'hui, alors j'avais mis un pull au départ ce matin parce que je pensais qu'il faisait plus froid que ça, mais au final j'ai eu un peu chaud. Donc là cet après-midi j'ai remis ce top là et je l'aime trop, c'est un de mes tops préférés. Il est un petit peu grand, vous voyez les manches elles tombent souvent, mais après vous pouvez aussi les mettre comme ça. Je trouve ça magnifique, hyper classe et tout, mais en même temps ça reste simple, enfin c'est pas... bizarre d'aller à la fac comme ça quoi. Il vient de chez Shein, je l'aime trop. Voici la matière de près. Du coup j'ai mis un petit jean de chez Zara. Voilà, jean slim tout simple. Pour mes baskets ce sont des Air Force One blanches. Donc voilà, c'est une tenue assez simple mais le haut la rend très belle je trouve. Puisque voilà c'est assez original quand même comme haut. Pour le collier du coup... je crois que c'est le même que lundi si je me souviens bien, donc celui de chez Primark. Hello tout le monde, donc là on est vendredi. Aujourd'hui il faisait super beau, grand soleil, c'est pour ça que c'est ébloui d'ailleurs. Du coup j'en ai profité pour mettre un petit top d'été que j'ai eu chez Primark. Je l'ai présenté dans mon dernier haul Primark. Mais du coup je l'aime trop ce haut, il m'a coûté 15€ mais c'est vraiment de la hyper bonne qualité. Enfin, il y a vraiment plein de détails dessus, que ce soit les petites fleurs brodées ici ou les grosses broderies en bas et en haut. Il y a aussi des petits détails ici, enfin je le trouve magnifique. Ensuite pour les lunettes, je les porte parce que j'ai un peu mal aux yeux. Et que bon c'est des lunettes anti-lumière bleue. J'ai du mal à parler. Ce sont des lunettes anti-lumière bleue qui viennent de chez Le Petit Lunetier. C'est pas du tout en partenariat. Je les ai bien payées. Pour les boucles d'oreilles, donc elles viennent de chez Zafoul. Voilà, ce sont des petits médaillons comme ça. Le cercle, c'est pas celui qui va avec de base parce que j'en ai perdu un sur les deux. Mais du coup, ça c'est un cercle que j'ai récupéré sur d'autres boucles d'oreilles et j'ai enfilé celle-ci dessus. Mais j'ai trop super belle, je trouve qu'elles allaient bien avec le haut. Le pantalon, c'est encore une fois un Primark. Je l'aime trop, c'est leur nouvelle coupe, je crois. C'est la Vintage Straight, je crois. Donc un jean droit un peu dans le style vintage. Pour les chaussures, donc c'est mes Air Force One. Je les ai achetées il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elles sont toutes blanches. Pour finir, j'ai mis ma montre de chez Clouse. Donc voici ma tenue du jour. On est le week-end, c'est pour ça que je suis chez mes parents. On va commencer par le haut, j'ai un haut en dessous. Vous voyez, c'est des manches comme ça, il est super beau, il vient de chez Zafoul. Je l'ai reçu cette semaine.
Au-dessus, du coup, j'ai mis une petite veste. Je crois qu'elle venait du site Talever sur AliExpress. Pour le jean, il vient de chez Stradivarius. C'est un jean slim enduit. J'aime bien l'aspect. Voilà ce qu'il donne. Il descend tout le temps à la taille et ça, c'est super chiant. Et puis, donc, les chaussures, ce sont mes Nike Air Force One blanches. Mon sac Guess que je vous ai montré dans mon dernier haul. Le collier, il vient de chez Zafoul. Je l'ai reçu dans la même commande que le chemisier. Et j'aime trop, c'est tout simple, j'aime bien. Et les boucles d'oreilles, pareil, elles viennent de chez Zafoul aussi. Voici ma tenue du jour. Aujourd'hui, je me suis habillée en monochrome noir et blanc. Je ne mets pas souvent des pantalons blancs parce que je trouve que ça grossit. Mais celui-ci, je l'ai eu à Kiabi. Il était en promo. D'ailleurs, il reste un truc. Ah. Il était en promo à 9 euros au lieu de 15, je crois. Du coup, je l'ai pris. En plus, il me va plutôt bien. Genre, ce que j'aime bien aussi, c'est que les coutures, elles sont comme ceci. Vous voyez, c'est pas la même couleur. Avec, j'ai mis cette petite blouse que je vous ai déjà montrée dans mes vidéos, qui vient de chez Shein. C'est une de mes blouses préférées. J'adore la forme. Elle est hyper confortable, elle arrive à la ceinture donc on voit pas le ventre. Donc pour aller en course, pas mal. Et pour le prix, je crois qu'elle est aux alentours de 15 euros. Ensuite, j'ai mis un petit collier qui vient de chez Primark. Ça faisait partie d'un lot avec deux autres colliers. Pour la montre, c'est une Clouse. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le top. Et puis pour les chaussures, des bottines un peu dans le style Doc Martens qui viennent du site Goods & Gusto. Ce matin, j'avais mis des baskets mais là, j'ai switché avec celle-ci. Parce que je trouve que ça va mieux avec la tenue. Voilà pour la tenue d'aujourd'hui.